Pays Canada décide de reprendre sanction yo côté li te quitté yo côté jeudi 21 septembre 2023 li arrivé sanctionner trois gros chabrak dans secteur économique pays d'Haïti. Construction canal sous rivière massacre a ancien agent la police là Jimmy Cherizier alias Barbecue après elle te fin foulé béton lundi qui saute passé en là. Non, notre vocal li enregistré, li déclaré 30 septembre qui a pas venu là, yo gen pou foule béton contre gouvernement PM Ariel Henry. Non, communiqué conjoint pays Kenya ensemble avec pays d'Haïti déclaré yo commencé gagner relations diplomatiques ensemble. Expert indépendant nan droit moun lan William O'Neil déclaré conflit qui gagne entre Haïti et Saint-Domingue doit passer par une négociation pressée. Malgré la pluie qui tombait hier soir bien fort, mesdames et messieurs qui inondaient moun qui a travaillé dans le canal là, eh bien ça pas empêché que jodi an la encore yo geta reprendre notre travail. Nous pral wè ki jan sa li même li ap déroulé. N'a passé ensemble avec international là. Pour la première fois depuis la guerre a commencé entre Ukraine et la Russie en février 2022, Volodymyr Zelensky, président ukrainien, participé dans l'Assemblée générale ONU à 20 septembre 2023 côté li mandé pour capable créer la paix. N'a rappelé que Volodymyr Zelensky lui-même c'est déclaration par là tout monde a été attendre après plusieurs temps que li pas jamais paraître dans l'ONU. 78e Assemblée générale ONU, mesdames et messieurs, a continué bagaille compliqué. Mesdames et messieurs, Guillaume Wachol qui te débarqué à la visiter et la France hier côté il fait gros déclaration de paix entre lui-même ensemble avec la France et il rappelait détermination inébranlable Londres ensemble avec Paris gagné pour capable soutenir Ukraine. Arrestation de Nourdin Bongo, mesdames et messieurs, petit Ali Bongo pour corruption hier non en fait yo arrêté depuis week-end nan, nan Gabon et il passé devant juge 19 septembre qui saute passé là. C'est toute information ça yo avec divers lots qui pral faire essentiel actualité nous jodi a. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal 5 Capé sous Haïti Info ak Info 5. C'est un plaisir pour nous capable porter rubrique ça je jodi en là barou la caillou sans nous pas perdre en pile temps. Nous pral rentrer directement dans le développement titio. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le développement titre journal 5 Capé sous Haïti Info. Pays Canada reprend la sanction yo côté li te quitté pendant li arrivé sanctionné trois gros chabrak qui fait partie secteur économique ak privé a en dan pays d'Haïti. Eh bien moun sa yo c'est Carl Brown, eh bien Akra Mac Antoine ensemble avec Jean-Marie Vorbe, mesdames et messieurs qui c'est directeur général PDG par contre Sogenère, Carl Brown, qui c'est PDG Unibank, c'est parti bagay piti qui gagne actuellement là. C'est toi, moun sa yo, que ou tap gade en là, mesdames et messieurs, qui fait partie de Nouveau Lice Canada. Bagay yo compliqué. Construction canal sous rivière massacre a continué. Gen visite diverses personnalités politiques publiques à Kiltirel qui gite fait nous capable citer parmi yo Bourik de la Talaye ensemble avec Weed Music qui te débarqué dans Wanamet. Et puis devant mesdames et messieurs personnalités politiques nous capable citer non Moïse Jean-Charles qui ça fait deuxième fois lui-même li débarqué dans ville Wanamet pour la visiter et cette fois-ci li te débarqué ensemble avec plusieurs sacs ciment militant politique nèg arab la lui-même li te campé pour capable accompagner Mounio côté te poté diverses manchettes. Rosemont Jean en tant que militant politique et pour social nous gagne frère Luxon zone parfait moun avec et Mackinson, NBS, Bon Samaritain, mesdames et messieurs, qui te débarqué dans Wanamet pour alpoter support. Sans nous pas tarder, nous prenons le bon temps des déclarations. Moïse Jean-Charles, leader plateforme politique, petite Dessaline, Wanamet. Moïse Jean-Charles, pas pour quoi? Moïse Jean-Charles, pas pour quoi? Combien de monde qui a fait Moïse Jean-Charles?
Amérique doit respecter Moïse Jean-Charles. Avec petite Desaligno. Amérique pense. L'État va le voir tout pâle. Pour venir voler les ressources. Petite Desaligno dit non. Et nous foutons Amérique. On connaît ça. Amérique doit connaître. Nous avons une bataille diplomatique là. Papa ici. Bataille diplomatique là. Petite Desaligno gagne. C'est un gagnant. C'est pour faire bec à terre. Ou te penser que c'est facile pour vous. C'est pas longtemps ça. Avec qui te fait sale frais. En ta pays. C'est pas fou même bagarre la jodia. Papa ici. On va même bagarre la jodia. Papa ici. Pas occupé. Moun qui a pas nous pression. Au contraire. Tout enfant qui a foutu fermé. N'a pas continué à mettre des canals. C'est pas fou que tu la jodia. Papa ici. Les canaux ont fini. Je vais chercher un puits pour me battre par les paysans. Engrais, matériel de contracteur. Nous voulons moderniser l'agriculture pour malheureux dans notre pays. Papa ici, nous pas pour nous. Le mot est Jean-Charles présent côté. Moi et Jean-Charles pas pour nous. Le mot. Comme avec moi Jean-Charles. Au contraire, nous devons parler avec nous pour me dire nous, travail canal là, pas camper. Et nous parlons avec paysan yo, mon capteur de m'entendre bien. Nous demandons quel journaliste qui t'a fait commentaire. Mes amis, mon de paysan yo, depuis janvier 2023, nous l'embarrage avec vous. Mais 2023, je l'embarrage avec eux. Ma bonne stratégie, ma bonne plan pour nous continuer. Canal là, parce que Jovenel te commencé, les pompes sur l'homme américain avec Dominicain, les campel. Eh bien, ça te passe, Canal là, pas de camper. Pas de camper, mes paysans. Pas de camper. N'a continué Canal là. Ma propre conseil des journalistes encore. Conseil des mondes qui ne comprennent pas la bataille politique. Bataille politique, ce n'est pas faire l'effort avec bouchon, mais c'est pour action. Qui est-il payé? Qui est-il payé pour? Je n'ai pas besoin de venir là pour me dire que je vais tirer les âmes. Même quand il faut que la continue, mes amis. Ouais, vous finissez, vous finissez. Au contraire, décision pour un américain. Son décision irresponsable. Déclaration yo, c'est déclaration tapageur. Déclaration sa yo, pas faire petite Desaline yo. Ni chaud, ni feu. Parce que nous déjà nous mis dans une vieille. Faire bac, y'a pas attaqué nous. Pas faire bac, y'a pas attaqué nous. Eh bien, dit bonjour, la bonjour. Pas dit bonjour, la bonjour. Voilà, mesdames et messieurs, déclaration ancien candidat à la présidence d'Haïti, Moïse Jean-Charles, ancien sénateur et ancien magistrat en deux fois du département du Nord. N'a pas continué ensemble avec Rosemond Jean, qui est leader parti politique Front National pour un pays stable et démocratique, qui t'a alpoté si poli by Agent Bessapio, qui continue à sécuriser sans danger Moun Wanamet qui a continué travail sous canal là en temps de déclaration Rosemond Jean. Moi vinn là dans nom Pierre Simon Georges, ancien ministre de l'environnement qui était campé te prend initiative ensemble bon côté président Jovenel Moïse pour te mettre Bessap qui te pour te mettre Agence nationale des aires protégées campé pour te capable servir pays. Malheureusement ou ensemble de l'autre monde qui vient remplacer Pierre Simon Georges, qui vient remplacer Jovenel Moïse, qui parle à hauteur, qui parle le sens de l'histoire, qui permet de créer conditions pour Dominicains bêtiser avec nous. Ça veut dire qui ça? C'est Kabritla, garder la cour. Lui n'est pas un gardien dans la cour, il rentre et vient manger Zeb. C'est exactement ça Dominicain a fait là. Chien, il voyage dans la cour, il n'y a pas de personne, il vole le miel tomber en dedans. Heureusement, il y a des brigades, il y a des hommes et des femmes vaillants qui campaient et qui repoussaient au dehors. Maintenant, nous tentons à travers la radio et nous lisons nos notes
gagnent certains, ou certains ou ancien chimère que y aurait les James Cadet. Comme pays a se plongé la plongée, et bien dans plongée à James Cadet s'est trouvé le ministre de l'environnement. James Cadet dit si canal là était pour nous depuis 1804 nous avons exploité les pas aujourd'hui nous avons exploité. Ça veut dire c'est merde nous venons merde dominicains et c'est dominicains qui ont raison et c'est peut-être ça James Cadet a fait pression sur Jean-Tel Joseph pour retirer agent de Sapio. Pourtant ça le pas comprendre agent de Sapio c'est des héros, c'est des vaillants mettez avec population Wanamet pleine Maribal. Moi-même saute pas au prince. Moi viens là pour nous porter support, pour nous porter solidarité, porter contribution pas nous dans combat pour nous aboutir à premier prise là. Mais son débat doit continuer parce que faut que nous sortions dans une prise pour nous tomber dans 10 prises pour capable d'un véritable débat. Abinader qui nous aurait les critiques crier pour l'eau. Il y a les dans différentes conférences. Il fait mentir. Ça veut dire pas même qu'à soutenir ça le dit. Abinader dit, il met tes soldats ça là pour veiller gang parce que l'autre bord frontière nous charge gang. Mais je voulais dire à pays, je voulais dire à communauté internationale là, moi je voulais dire à Abinader de Perdenal à Malpas, qui ça n'est fait? Nèg dominicain yo, soldat dominicain fait. Yo prend manger naturel dans même monde yo ba aux âmes. Sous toute frontière, Wanamet en sapit. Yo entre vinn prend chadec, yo entre vinn prend yam, yo entre vinn prend café et puis en échange yo ba moun yo zam ak munition. C'est ça qu'a fait sous toute frontière. Ça veut dire faut moun yo connaît pendant Abinader a parlé que nous même nous gagne en Haïti, mais si pas gagne frontière, si n'pa gagne frontière entre la République dominicaine et Haïti, gon ensemble des gangs y a pas alimenté en munitions et armes, nous pas gagner parce que gon paquet d'armes, gon paquet munitions, c'est la République dominicaine yo sorti. Et yo pas entré sous pays a de façon pas erreur, c'est de façon voulue service renseignement dominicain créer conditions alimenter gang dans pays a juste pour créer instabilité pour tout investisseur important que nous gagnons capable d'investir en République dominicaine. Et là au fin d'investir Abinader crayon stratégie, les crayons gymnastiques, les volets bien mounio. Gardez trois caïsés qui traversent la ville, qui sont en République dominicaine, ils ont déchappé mounio. Ils ont assassiné mounio. Et je pense, si nous avons l'État, nous avons un ministre des Affaires étrangères, ils ont dû maintenant préparer une plainte pour porter par devant un tribunal spécial à l'étranger, dans des pays, qui vous permettent de statuer sous crime, sous massacre qu'a fait en République dominicaine. Parce que y a tué Mounio, y a braché Mounio la manchette, y a déposé de ça au gain comme bien, y a volé l'argent, y a fait Mounio travail pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Quand Mounio pas arrivé dans les pour toucher, y a eu l'immigration, y a fait immigration, saisi l'argent dans Mounio, pas de plus gros crime que ça. Eh bien, nous pensons, route Mounio la mettre prend, c'est route délivrance là. Et moi pense encore, c'est pas seulement Wanamet pour nous doit aider. Ça veut dire bataille doit almener dans pleine à qu'il dit non côté pleine l'antanier président Jovenel qui commencé depuis assassinat pleine espace là travail là mouri même genre avec Marion Jodia qui capable arroser 20,000 combien hectares de terre. Ariel Henry et équipe li décide, puisque yon touye Jovenel, yon décide touye tout ça Jovenel ta fait. Eh bien, c'est plus gros bagay, mwen kapab di. Pep Marion, Pep Wanamet la, mene la, yon dit c'est vrai, nous touye Jovenel, même pas quitte nous touye vision, projet, rêve Jovenel. Et c'est pour ça, m'la je dis, hein, pour supporter, pour faire solidarité avec yon, et puis dit tout, à tout l'autre monde kap goumé, continuer dans le combat parce que vous n'avez pas payé le commencement, mais c'est la fin du pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Rose Monjean, militante politique et leader plateforme Front National pour Stabilité Pays d'Haïti, ensemble avec Renly Démocratique. Ancien agent pour la police là, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, après elle était fin foulé béton,
Lundi qui saute passé là, non note qui a circulé sur réseau yo, ensemble avec yon vidéo, li déclaré 30 septembre qui a pas venu là, la foule béton encore une fois, contre gouvernement Ariel Henry, ensemble entendez déclaration Jimmy Cherizier, alias Barbecue, chef coalition G9 en famille et allié Mayoun, Mayoun tout là. Jodian, même j'en note fait lire, et que nous avons annoncé mobilisation, et contre gouvernement de facto criminel Ariel Henry. Et nous voulons le monde entier connaître que nous-mêmes, nous vivons ensemble, parce que j'en ai annoncé déjà pas ni force révolutionnaire Genève en famille alliée, et tout encore, pas ni GPEP encore, qu'on est à vivre ensemble. Ça veut dire Genève et GPEP font seul pour nous apprendre à vivre ensemble. Et je préfère étendre chaque leader zone yo parler parce que voix ici vient pour yo sortir très bientôt pour qu'il annoncer une série de pratiques qui te gagné dans série de ghetto jodi a et que monsieur ça prend et sous responsabilité yo pour camper à tout genre de pratiques ça yo comme ISO te gagné dans le voice déjà tout monde est autorisé monde qui dans studio pour yo passer matissant sans qu'il cassé. Lundi 5 est cassé à tout ça connecté qu'on fait dans la zone, ça, pas de gens qui ont répété encore. Nous avons Jeff qui parlait dans le Canaan, côté que tout le monde autorisé passer Canaan et que pas de rien qui mal dans ça, nous avons dit qu'on fait qui peut le répéter encore. Et nous avons mis, nous fait solidarité avec nous. Nous-mêmes, nous vivons ensemble en tant que patriotes, en tant que nationalistes. Même j'en nous toujours dit, nous pas des apatrides, nous pas venir nom nous by aucun monde. Ça veut dire qui ça? Tout ça qui est bon pour le pays d'Haïti, nous mêmes et que c'est avec nous marché. Nous n'en qu'un peuple là, comme ça t'es toujours fait. Et j'en viens là qu'à constater où est-ce que ça me dit nous, sinon on va le gouverner à faire gouverner tout le monde. J'aime te dire là. Pour nous capoter Ariel Henry, si c'est à Lucifer pour nous faire pas, n'a fait pas à Lucifer. Si c'est à Satan pour nous chiter à même côté, n'a chiter à Satan. Ça qui est important, je dis à tout le monde rendre compte que le gouvernement Ariel Henry en pari un est sérieux. Plus passé deux ans qu'il a réglé. On a un petit groupe volé qui était les têtes opposition, un petit groupe gang qui gagne en tête André Michel, Marjorie Michel, Rosemila Petit Frère, Nenel Kassi, groupe volé ça yo qui était proposition en opposition face avec le président Jovenel Moïse. Jodian, deux ans après, au fin assassiné Jovenel Moïse, nous avons gardé pour nous pas un sérieux qui réglé. Insécurité, tout partout, nous n'avons pas sécurité. Haïtiens pour quitter le pays. Tout business a marché au ralenti. Jodian, tout sacrifié pays a comme mal. C'est le gouvernement Ariel Henry en mélange avec les clics politiciens volés qui la cause. C'est peut-être ça nous-mêmes comme jeunes qui sont dans le quartier populaire, comme patriotes, nous prenons des décisions pour nous gommer contre le système et pour nous capoter. Mesdames et messieurs, Jimmy Cherizier alias Barbecue qui prend engagement ensemble avec toutes vivent ensemble là côté divers groupes gang rassemblés ensemble pour yo capable faire une trêve que nous pas capable reler la paix directement pour yo aider pays d'Haïti avancer et capoter gouvernement Ariel Henry. Mesdames et messieurs, pays d'Haïti ensemble avec pays Kenya n'a yo communiqué conjoint qui signé par Victor Généus, ministre Affaires étrangères à culte pays d'Haïtien, est bien déclaré, yo gagné relation diplomatique ensemble à partir de hier 20 septembre 2023. Expert indépendant dans droit moulin William O'Neill déclaré conflit qui gagne entre République dominicaine et Haïti doit passer par négociation pour les capables résoudre, mais d'ici là, pas de rien sérieux, nous pourrons joindre comme solution, n'a toujours été campé goumé. Malgré gros la pluie qui était tombée ailleurs, mesdames et messieurs, dans Wanamet, qui te saccage travail, ce qui a fait sur rivière massacre, divers citoyens pas hésiter, camper jeudi jodi encore, puis capable continuer travail là, en montrant, on extrait, pour nous montrer qui j'en s'est passé. <t'en>
Ça c'est hier soir après que la pia lui-même li fin arrivé tomber. Moun wana me di yo pap kope, moun wana me di yo pap bay vague, mesdames et messieurs, parce que yo genye yo mission qui s'est construit et fini canal irrigation ça qui a fait sous rivière Massacre. Voilà, mesdames et messieurs, travail à pape copé sous canal là, c'est KPK, c'est ça, moun wanamet, ensemble avec tout pays d'Haïti. Yo déclaré, mesdames et messieurs, n'ap sorti en Haïti pour nous capables de rentrer dans l'international là. Côté pour première fois depuis guerre Ukraine ensemble avec la Russie a commencé, président ukrainien Volodymyr Zelensky, mesdames et messieurs, participer dans l'assemblée générale ONU qui commençait depuis la date 18 septembre 2023. Nous prenons des déclarations Volodymyr Zelensky et Kredia li ali ensemble avec France 24. Thank you very much. Merci beaucoup. Je salue tous ceux qui défendent les efforts communs. Je vous promets qu'en étant unis, nous pouvons garantir la paix pour tous et tous. L'unité peut permettre de prévenir les guerres. Mesdames et messieurs, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les dirigeants de ce monde, nous devons nous défendre contre les agressions. Dans bien des cas, la peur de la guerre, une guerre définitive qui nous empêcherait de nous réunir à l'Assemblée générale, une troisième guerre mondiale, une guerre nucléaire, un conflit entre États sur le chemin de l'arme nucléaire, fait sembler d'autres guerres moins dangereuses. Le 20e siècle a montré au monde qu'il fallait s'abstenir d'employer des armes de destruction massive, de ne pas les déployer, ne pas en assurer la prolifération, ne pas menacer de les utiliser, ne pas les tester, mais promouvoir un désarmement nucléaire complet. Franchement, la stratégie était bonne, mais elle ne devrait pas être la seule pour protéger le monde de cette guerre finale. L'Ukraine a renoncé à son troisième arsenal nucléaire le plus important. Le monde a décidé de confier à la Russie un rôle de garant, et pourtant, c'est la Russie qui a le plus foulé au pied le désarmement nucléaire dès les années 90. La Russie continue de le faire. Les terroristes n'ont pas le droit de détenir des armes nucléaires. Ils n'ont aucun droit de les détenir. Mais ces armes nucléaires ne sont pas ce qui nous fait le plus peur. La destruction de masse s'accélère. L'agresseur utilise comme arme bien d'autres choses, non seulement contre notre pays, mais contre vos pays aussi. Mesdames et messieurs les dirigeants de ce monde, nombre de conventions visent à contrôler, limiter les armements. Mais l'utilisation d'autre chose en tant qu'arme n'est pas limitée. Je vous donnerai un exemple. Les denrées alimentaires. Depuis le début de cette guerre, les ports ukrainiens dans la mer Noire, mer d'Azov, sont bloqués par la Russie. À ce jour, nos ports sur le Danube restent la cible des missiles et des drones.
La Russie utilise comme arme les denrées alimentaires et la pénurie sur les marchés mondiaux en échange d'une reconnaissance. Voilà, mesdames et messieurs, président ukrainien, dans l'Assemblée générale ONU, hier 20 septembre 2023, qui bat premier discours depuis environ en l'année et demie. 78e Assemblée générale ONU a continué côté président dominicain Luis Abinader, mesdames et messieurs, arrivé déclaré conflit qui est entre Haïti et République dominicaine. Eh bien, c'est un conflit gouvernement haïtien maintenu entre les déclarations président Luis Abinader. Et c'est malheureusement pour moi le moment de rappeler qu'il y a 2 ans déjà, devant cette même Assemblée générale, j'ai lancé un appel et j'ai dit que depuis que le gouvernement avait pris ses fonctions, nous avons dit que la situation en Haïti pourrait déborder vers la République dominicaine et générer ainsi une réelle insécurité dans la région. Il est temps que la communauté des nations assume une bonne fois pour toutes cette question qui est absolument prioritaire et exige un suivi immédiat. Et je voudrais aujourd'hui me refaire le héros de cet appel et rappeler que depuis, un certain nombre de choses se sont passées. Il y a un petit groupe de particuliers haïtiens qui s'est lancé dans la construction d'un canal qui permet le transvasement illégal des eaux du fleuve d'Arjabon en violation des traités frontaliers entre la République dominicaine et Haïti. La communauté internationale doit savoir que le fleuve d'Arjabon trouve son origine à Loma de Cabrera qui se trouve dans le territoire de la République dominicaine. Et sur ces 55 kilomètres, il parcourt le territoire dominicain avant de déboucher dans la baie, avant de se jeter dans la baie de Manzanillo à Monte Cristi. Il n'y a que 2 kilomètres de ce parcours qui se déroule en territoire haïtien. Et c'est sur ce petit morceau du fleuve, du côté haïtien, donc, que le canal est en train d'être creusé. Les informations dont nous disposons montrent qu'il s'agit d'une manœuvre en faveur du contrôle de l'eau de la part d'une petite élite économique politique qui doit être ici condamnée. Ce projet n'a jamais été officiellement communiqué au gouvernement dominicain et aucune documentation sur l'envergure du projet, son impact environnemental, l'identité des bénéficiaires finaux n'a été communiquée. Nous avons toutefois pu obtenir quelques informations et nous, d'après notre analyse, ce sont des centaines de familles d'agriculteurs dominicains et haïtiens qui seraient directement concernées si le canal devait être construit. D'ailleurs, il y aurait aussi un risque d'inondation du parc industriel de Codevi qui se trouve 300 mètres en dessous du niveau du canal. Sont également menacés 19 000 travailleurs haïtiens ainsi que les habitants des villes frontalières de Dajabón et Juana Méndez. Comme si ce chantier ne menaçait pas déjà suffisamment la lagune de Saladillo, qui est là l'une des principales zones humides de la République dominicaine. Depuis avril 2021, notre gouvernement a demandé aux autorités haïtiennes à plusieurs reprises de stopper la construction unilatérale et illégale de ce chantier ou de cette œuvre, de ce canal. Le gouvernement haïtien lui-même a rappelé qu'il ne s'agissait pas d'une œuvre gouvernementale, mais qu'il n'était donc pas possible d'arrêter le chantier en raison de la crise que traverse le pays. La situation est aujourd'hui très délicate à la frontière. Alors nous ne souhaitons pas d'affrontement avec le peuple haïtien, bien entendu. Mais nous devons nous défendre face à ces acteurs qui aujourd'hui menacent la sécurité de leur gouvernement, de leur peuple et de leur pays, évidemment au détriment des ressources hydriques. Monsieur le Président, le problème haïtien n'est plus entre les mains de Haïti. Il est aujourd'hui entre les mains de la communauté internationale. Et c'est la raison pour laquelle nous nous associons pleinement à...